Alors, moi je fais du conseil depuis 20 ans, et c'est vrai que depuis 2008, le monde a changé et continue à changer à une vitesse inimaginable, en tout cas, et je trouve ça très, très motivant. Alors, j'ai retenu quatre points importants qu'il faut avoir en tête sur ce changement. Le premier, c'est on est rentré dans une phase, j'allais dire, quasiment de non-croissance. Alors, je ne suis pas économiste, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais ce qu'on constate, c'est que la croissance mondiale, depuis une dizaine d'années, a du mal. Les pays qui sont rentrés les premiers dans la phase de consommation, finalement, commencent à se désintéresser un petit peu de cette consommation, pensent, il y a une conscience écologique qui se développe. Consommer pour consommer, finalement, c'est plus un idéal. Aujourd'hui, il y a autre chose dans la vie. Les pays plus récemment rentrés dans cette phase de consommation ralentissent aussi. Ce ne sont pas les relais de croissance qu'on avait imaginés. Donc, c'est une donnée d'entrée. On fait face, effectivement, à cette stagnation économique qui est mondiale. Bon, je parle un petit peu, c'est un peu moins vrai pour le Maroc, qui continue quand même à avoir une belle croissance, même si en 2018, elle est un peu moins importante que ce qu'on pouvait escompter. Le deuxième aspect, c'est que, tous les marchés ont une offre commerciale pléthorique. Le nombre de fournisseurs, le nombre d'offres qu'on retrouve effectivement sur les différents marchés devient pléthorique. Les entreprises recherchent des relais de croissance aujourd'hui sur d'autres marchés géographiques. Donc vous voyez des marchés traditionnels où vous aviez deux, trois acteurs qui intervenaient, voient apparaître des nouveaux acteurs qui viennent d'autres pays et qui viennent concurrencer les acteurs traditionnels. Et puis les entreprises vont également sur des marchés qui ne sont pas à l'origine les leurs. Je pense par exemple à Carrefour, à Orange, qui ont créé des activités bancaires, ce n'est pas leur métier d'origine, Apple, qui investit de plus en plus dans les moyens de paiement, et je pourrais multiplier les exemples comme ça à l'infini. Un troisième élément aussi qui me paraît très important, c'est que les consommateurs, les clients sont très très informés aujourd'hui. Ils trouvent évidemment sur Internet toute l'information qu'ils souhaitent sur l'offre, sur l'entreprise. On a accès à des avis de clients, de consommateurs ou de clients professionnels. Tout est partagé. Et souvent, d'ailleurs, les clients savent plus que les commerciaux eux-mêmes sur l'offre de leur propre entreprise. Ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, évoque une évolution forte du rôle du commercial, qui n'est plus là pour faire une transaction et pour vendre, mais plus pour conseiller et orienter ses clients. On va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. Et puis évidemment, le quatrième point, c'est la digitalisation. L'émergence des techniques de l'information. Donc après un faux départ à la fin des années 90, au début des années 2000, où on parlait déjà d'omnicanalité, donc c'est pas nouveau, on en parlait déjà à l'époque, là, cette fois-ci, c'est bien parti. Donc ça apporte effectivement des nouveaux services très intéressants. Ça permet d'améliorer l'accessibilité, d'apporter des services qui n'étaient pas imaginables avant. Ça transforme aussi la relation client. Et là, on le verra, il y a peut-être aussi un piège derrière tout ça. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, être bon sur son métier de base, avoir le bon produit, avoir le bon service, c'est nécessaire. Plus, autant qu'avant, sinon plus qu'avant. Mais ce n'est pas suffisant pour créer une vraie différenciation sur son marché. Voilà. Donc il faut effectivement réfléchir à autre chose qui va permettre déjà de sécuriser les parts de marché qu'on a acquises. Vous vous rendez compte que dans ce monde-là, un client, ça vaut cher. Donc il faut le garder à tout prix. Donc, qu'est-ce